tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Omicron. La dernière fois, nous avions trouvé les deux derniers golems qui nous manquaient, Regice et Registeel, et il est temps de partir, du coup, à la poursuite du golem géant, Regigigas. Faut vraiment qu'un des développeurs donne le vrai nom. Enfin, si c'est déjà donné, je sais pas, perso. Mais faut vraiment qu'on me dise. Si vous le savez dans les commentaires, ou dites-moi comment vous le dites. Hein. Avec J, un J pour le G, un J pour J et un G pour Guy. Comme ça, ça passera tout seul. Alors attendez, je recherche mon chargeur de téléphone. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ça commence bien. Je suis pas du tout préparé. Où est-ce que je l'ai mis? Non, parce que j'en ai besoin. Je reviens tout de suite. Ah putain, j'avais tout préparé, mais à chaque fois faut que j'oublie un truc. Soit c'est la manette, soit le clavier, il faut toujours que j'oublie un truc. Le seul truc que j'oublie jamais, c'est mon casque, parce que j'en ai besoin pour commencer la vidéo de toute manière. Hop, alors, pour ce qui est de Regigigas, je le dirai comme ça durant toute la vidéo. Il faut aller à la cave Sephiroth. Justement, cette cave qui se trouve sur la route 320. Ah oui, il me faut la grotte continentale, la corde continentale, je l'ai eu d'ailleurs au dernier épisode. Sur la route 230. Sur la route 230. Ah, et en fait, si j'ai Altaria sur moi, c'est normal. J'étais en train de l'entraîner. Et comme vous voyez aussi, j'ai Oupa hein, dans mon équipe. Parce que j'ai retrouvé les Pokémon qui me manquaient. Ils étaient quelque part dans le PC, au pif. Bon là, j'ai ma boîte de légendaire. Et voilà ce que j'étais en train de faire en fait. J'entraînais mes Pokémon Dragon. Parce que je vous rappelle que j'ai une arène Dragon aussi à entretenir. Du coup, bah ça c'est les 4 seuls Pokémon Dragon que j'ai, plus... Rayquaza. Mais en Pokémon normal, voilà. Et du coup, les autres Pokémon étaient dans la boîte 25, en plein milieu du PC. Donc pour ceux qui croyaient avoir perdu leur Pokémon dans Pokémon Omicron, ils sont dans la boîte 25, en fait. C'est tout. Moi, j'avais eu peur parce qu'il me semblait bien avoir chopé ou pas quoi que ce soit. Ma tête me disait, mais non, tu déconnes, c'est dans Pokémon Insurgence que tu les avais loupés, tu mélanges tout. Mais non, j'avais bien loupé, ou j'avais bien chopé, ou pas, Cresselia, j'avais eu un œuf de ma fille, et tout. Donc bon, en tout cas, tous les Pokémon sont ici.
Et bien sûr, tous les autres sont dans la boîte 1. Et j'ai la flemme de les déplacer. Surtout que je ne les utiliserai pratiquement jamais. Par contre, il y en a un que je vais utiliser. Et c'est lui. J'ai fait un truc spécial. Comme j'avais dit que je ferais. Avec False Sweep et Slip Powder. Powder. Poudre dodo et fauchage. En gros, on laissera le Pokémon à un point de vie. Hop. Et bien sûr, bon, j'avais pris le Oupa en prévision de l'entraîner. Ce que je n'ai pas fait vu que j'étais en train d'entraîner Altaria. Donc on va prendre. Ouais, Maragan. Pour la paralysie, au cas où si on met Florizarre KO, quoi. C'est le au cas où du au cas où. Voilà. Et je vais peut-être prendre Victini à la place de Mewtwo. Parce que Victini avec son... Ouais, non. Non, non, c'est bon. Je vais dire Victini avec son... Son trou noir, là. Enfin, son... Trou de ver, pardon. Pourrait enlever peu de PV, mais non. C'est pas... Vu que j'ai Florizarre, de toute manière, ça sert pas à grand chose. Alors, la route 230. C'est celle qui est en dessous de moi. C'est ça, hein, route 230? Non, 320, pardon. Oula. 312. Cape mystérieuse. 304. 16. Route victoire. Route 320, c'est celle-là. Il y aurait une statue, à ce qui paraît. Et lorsqu'on lui parle avec la corde continentale et les trois régies dans la team, ça ferait apparaître une grotte qui nous ferait avoir Régigigas. Bien, il va falloir traverser la mer. Est-ce que... Je crois que j'avais sauté certains dresseurs ici. On va voir. Alors, est-ce que ce serait pas une cave à la con aussi qui se trouve en plein milieu de la mer? C'est la question. Genre sale. Ça a pas l'air ça. Je marche sur la terre au cas où ça débloque quelque chose, hein, là. Surtout avec la corde là. Ah bah, ça doit être ça. La corde continentale fonctionne parfaitement. Yep. Hop, fondation. C'est le portail vers Dieu. Seuls les plus courageux peuvent y entrer. Ah, et en fait, j'ai, vous savez, dans la cave secrète là, la planque secrète, on peut récupérer des objets tous les jours.
Et ben hier, quand j'entraînais mes Pokémon, j'ai récupéré une Master Ball. Encore une. La dernière Master Ball que j'ai utilisée, je crois que c'était sur Rayquaza, j'en avais déjà deux. Il m'en restait plus qu'une. Et là, j'en ai récupéré une nouvelle. Je crois que c'est l'objet le plus rare qu'on peut trouver, donc j'étais content. Gauche, splendeur. Haut, beauté. Droite, victoire. Parce qu'il y a comme Pokémon, mais j'en ai un peu rien à faire en vrai. Ça doit ouvrir les. Ça ouvre pas. Il y en a peut-être un dernier. Ouais, il y en a un dernier. Hop. Alors, beauté. Attendez. C'est des épreuves. Hein. Non, c'est splendeur. Beauté, victoire. Commençons par la splendeur, du coup, de gauche à droite. Allons à la beauté. J'ai envie de voir les Pokémon qu'il y a, quand même. Oh! Salut toi! Il a réagi aux Pokémon, j'ai l'impression. Au cas où il nous saute dessus. Si j'étais rentré dans Victoire. Si j'étais rentré dans Victoire directement, en fait, ça aurait fait ça. Non, c'est beauté, ici. Non, beauté left, je croyais marqué. Je suis con. Franck touche la pierre. Ouais, bon. Fait rien d'autre. Est-ce que ça a ouvert le passage au niveau de là? Non. Peut-être là. Ah! Ça a changé. Avant, on pouvait pas accéder ici. Alors. Je suis désolé. Si j'avais besoin de mon portable, en fait, c'était pour envoyer un upload. Parce que l'envoi par téléphone, c'est beaucoup plus simple. Un téléphone, je peux le laisser allumer H24, il n'y a pas de problème, contrairement à un PC. Hop là. Voilà. Voilà. Alors. En haut, compréhension. Pourquoi on peut monter là-dessus? Si c'était assez rapide, je pourrais peut-être. Sauter par là-bas. C'est. Il y a un nouvel objet. Oh! Je me sens rempli d'énergie. L'énergie s'est barrée. L'énergie se barre.
Faut peut-être pas que je cours. Ah non. Ça change rien. Un truc que je comprends peut-être pas. Je peux pas la retoucher une deuxième fois le temps que je suis sous l'énergie, a priori. Il s'est vite barré là. J'ai été vachement loin là. Il y a peut-être un chemin spécial à prendre. Y a sûrement un chemin spécial à prendre. Peut-être pas. Faut être juste rapide. Faut juste être rapide, y a pas de chemin. À droite, connaissance. À ma gauche et à droite, à ma gauche et à ma droite. À ma gauche et droite, il y a un mensonge qui n'est pas... Non, la vérité. Vérité et mensonge. Là, il y a mensonge. Et les pierres... Pierres qui montent sont deux. Deux pierres vous ramèneront de là où vous avez commencé. Et elles ne sont ni en or ni bleu. Il y a plus de. Il y en a plus à ma droite qu'à ma gauche. Comme la gemme qui montait au départ. Ne touchez pas ce que vous ne devez pas toucher, ou sinon vous allez recommencer dès le début. En gros, c'est ça. Attendez, je vais relire parce que... Pas envie de me courir, quoi. Avec un petit traducteur, surtout. Bien, vous ramèneront là où vous avez commencé, et elles ne sont pas en or ou bleu. Il y en a plus à ma droite qu'à ma gauche, mais à ma droite qu'à ma gauche, donc à sa droite, à la gemme, c'est dans l'autre sens ou c'est dans mon sens de vision à moi? Parce que là, j'ai une chance sur deux. Si c'est dans le sens des gemmes,
Si c'est dans le sens où les gemmes me regardent, ça veut dire que c'est à sa gauche et pas à ma gauche à moi. Sinon, il préciserait pas à ma gauche. Il préciserait à gauche, à droite, en haut, en bas. Ok, je fais la blague, je vais me coucher. Au pire, je sauvegarde. Et si ça m'envoie à l'extérieur, je reprends le jeu. C'est aussi simple que ça. Il y en a plus à ma gauche qu'à ma droite. Ça passe à l'or. L'or et la bleue dit qu'ils ne fonctionnent pas. Il y en a plus à ma droite qu'à ma gauche, il disait. Ouais, plus à ma gauche qu'à ma droite. Deux pierres vous renvoient là où vous avez commencé et ne sont ni le gold ni le bleu. C'est pour ça que j'ai touché les deux. En fait, ni le gold ni le bleu ne me renvoyaient où je venais de commencer. Donc j'ai touché les deux. Ok, bon bah, j'ai eu de la chance. Je commençais par les deux pierres insignifiantes. En bas, la beauté. D'accord. J'imagine que si je parle à la pierre, le gros va arriver. À part s'il y a une autre énigme. Ah. Je pense que je dois prendre Red Jace derrière moi. C'est cool, hein, ce genre de truc. En tout cas, c'est clair qu'on pourrait pas y arriver sans ces trois-là. A priori, il n'y a pas de Pokémon sauvage, hein, quoi. Sinon, ça fera un moment que je me serais fait attaquer. Bon, bah. Yo. On recommence. J'ai pas fait comme je souhaitais. Je sais, c'est fort par rapport au son du jeu. C'était quoi la musique de Régigigas déjà? C'est la même musique que les gardiens? Il me semble que la musique de Régigigas c'était la même musique que Itran et tout ça. Mais on va lui mettre la musique des gardiens.
Alors, comment régler ça? Voilà, ça apparaît pas. Pas vous gâcher l'image. Hop, Pokémon au micro. Les musiques. On va vite couper le son avant que ça vous défonce les oreilles. Ça a dû vous défoncer un peu. Voilà. Alors, il est niveau 90. On va commencer avec Energy Ball dans ce cas. Ça te ferait pas battre KO. Ouh. Les postes. En payback, c'est quoi? C'est vengeance? Ouais, c'est vengeance. Ça, ça va faire plus mal. Ouais, ça fait 5 tours, il est plus rapide maintenant. Putain, j'ai cru que False Sweep ça n'avait pas fonctionné quoi. Parce que leurs techniques sont déjà assez buggées. Par exemple, change Volt ne fonctionne pas. Ça attaque, mais ça change pas le Pokémon. Donc, quoique non, c'est peut-être pas dans Pokémon. Je suis peut-être mauvaise langue. Là, il fait essorage. Ça fait mal. Comment ça se fait avec essorage? Ça fait si mal. J'ai jamais compris cette technique. C'est plus on a de PV de base, plus ça nous fait mal ou un truc du genre. Ça fait mal par contre. Il me refait, je suis KO. Sève. Dans le pire des cas, je pourrais le paralyser, mais bon. Allez, envoyez Motisma. En tout cas, je suis fier de Florizarre. Je pense que la Heavy Ball pourrait bien fonctionner, comme avec Registeel, mais bon. Putain, il ressort toujours à ce moment-là. Ça, j'aime pas, ça, je le répète à chaque fois, mais j'aime pas quand il sort toujours au même moment parce que ça me donne pas l'impression d'avancer. Ou de reculer. En fait, le fait de rester sur place, j'aime pas ça. Même s'il sortait directement, ça m'arrangerait plus que il sorte au même moment tout le temps, quoi. Voilà, là je suis content d'un côté.
J'espère qu'il va lui rester des pépés. Parce que dès qu'il fera lutte, là, il crève, là. Ah. Oh. Et Sora, je m'enlève la moitié des points de vie, j'ai l'impression. Allez, affronte tes enfants. J'ai mon ventilo à fond et je le sens même pas, c'est horrible. Marqué, le fait de transpirer, je me mettrai dans mon ventilo devant, pas dedans, devant. Ça me rafraîchira un peu. Ça me rendra malade, mais ça me rafraîchira. Si mes hyperboles ne descendent pas, c'est normal. Ce n'est pas une triche entre ça, c'est juste que j'en ai plus de 100 en vrai. C'est juste que j'en ai un autre paquet au-dessus et ça utilise celle d'au-dessus plutôt que celle. J'avais commencé à entraîner Magistyle. Et puis je me suis souvenu que j'avais une arène de type dragon à confectionner. Putain, on est pas loin. C'est vrai que c'est la première fois que ça dit qu'il est paralysé. Enfin, je crois. Regardez. J'ai les Ultra Balls en haut, 42. Et j'en ai 24 là. Je vais utiliser celle-là, ça va descendre à 41. Ce n'est pas un cheat. Hein. Ne criez pas au cheat, s'il vous plaît. Il y en a déjà beaucoup qui me font chier avec ça. Ce Pokémon noir et blanc 2. Alors que j'avais prévenu que je cheatais dans la description et dans le titre. Et dans les épisodes d'avant. Hein. Bon, les épisodes d'avant, je peux comprendre. Regarde, c'est à 41. Les épisodes d'avant, je peux comprendre qu'ils ne l'aient pas vu parce qu'ils sont tombés directement sur la vidéo dans leurs recommandations. Vu qu'elles ont pas mal de vues, ça commence à être dans les recommandations maintenant. Mais il y en a beaucoup qui comprennent pas que bah on peut pas tout simplement les avoir, quoi. Faut pas être con non plus. Si je suis le premier à en parler, c'est pas pour rien. Sinon, ça ferait longtemps que des youtubeurs en ont montré qu'on les chopait. Faut pas être con non plus, quoi.
Attention, après, faut pas confondre conneries et innocence. Des gamins, je sais très bien qu'il y a des gamins qui ne savent pas comment ça se fait que j'ai eu ça, qui ne connaissent pas la triche. À cela, je leur réponds. Mais dès que c'est des insultes ou des trucs comme ça, là, je laisse passer et je leur. Enfin. S'ils veulent plus être sur la chaîne, voilà, j'en ai rien à faire. S'ils lisent des autres commentaires, ils comprendront. C'est surtout ça, en fait, que je me dis. Je vais pas prendre la peine de répondre à des insultes, quoi. Encore, j'en fais quelque chose de mal, ok? Mais là, juste montrer à quoi ça ressemble d'avoir complété Pokédex. Voilà, je pense pas que ça mérite la peine de mort. Juge des gens salés parce qu'ils peuvent pas le faire ou ils savent pas le faire. Après qu'ils insultent. Si vous voulez vraiment le faire, prenez un émulateur et jouez sur émulateur. Parce que si vous voulez vraiment tricher dans un jeu comme ça, là c'est vous les connards, après. Parce que ça veut dire que vous allez tricher dans un jeu où vous pouvez ensuite placer les Pokémon cheatés dans d'autres versions dans le futur. Enfin maintenant ça le fait plus. Parce qu'on peut plus faire passer nos Pokémon dans les versions actuelles. Le dernier c'était X et Y, non c'était. Non c'était Soleil et Lune, hein. Ultra Soleil, Ultra Lune, où on pouvait faire passer nos Pokémon cheatés. Mais après. Et encore, il y avait un tri. Il fallait vraiment faire un truc spécifique. Il fallait pas que le Pokémon soit généré dans un endroit où il ne pouvait pas être généré ou des trucs comme ça. C'était très. Très surveillé. Je vais tenter la Heavy Ball. Avec un peu de chance, ça peut passer. Je pense pas avoir autant de chance qu'avec Registeel. Ouais, voilà. Presque, mais non. Si j'arrive pas à le choper, hein, j'ai eu une Master Ball gratuite. Je le lancerai. Parce que je sais pas où est-ce qu'il en est dans CPP en fait. J'ai bien envie de tester la Chrono Ball. Je pense pas qu'il y ait assez de tours. C'est 70 tours, je crois qu'il faut vraiment. Ah bah si, tiens. C'est bon. Ouais, j'ai un nom tout tracé pour lui. Le souleveur de monde. Le monde tient sur ses épaules. Bon ben voilà. Ça c'est fait. En tout cas, voilà ce que je pense des gens qui insultent infondément sur les vidéos de Pokémon Noir et Blanc 2. Parce que c'est très facile d'y jouer sur émulateur. Il vous faut un PC, des smoumés, et la robe de Pokémon Noir et Blanc 2 qui est trouvable partout sur Internet. Tout est trouvable sur Internet. C'est extrêmement facile. Beaucoup me demandent un tuto. Si ça commence à me faire chier, je pense que je le ferai. Qu'on me demande comment, mais qu'après ce tuto, on vienne plus me casser les couilles. C'est ça le problème. C'est que je sens qu'on vient me casser les couilles après ce tuto encore. Donc bon. Après, je suis pas le seul à faire des tutos. Enfin, je suis pas le seul qui peut faire un tuto. Il existe déjà plein de tutos sur Google, carrément. Et sur YouTube, n'en parlons pas. Donc bon, sur ce, c'est un peu de langue de vipère sur le ton dont je parlais là, mais fallait que ça sorte. Donc, sur ce, on a chopé Régigas. Ça c'était cool. Je vous dis à tous, ciao à plus,
Et la prochaine fois, on s'attaquera à... Je vous lis tout de suite. Parce qu'après, j'ai giga s'il y a marqué ou pas. Et je m'en fiche, vu que je l'ai déjà. Mewtwo, je l'ai. Mew! Dire Mew, peut-être. Yap, yap, yap. On va peut-être s'attaquer à Mew. Et si ce n'est le seul. Parce que peut-être que Mew, il va venir directement avec nous. Je sais pas comment ça se passe. En tout cas, il y aura peut-être trois autres Pokémon légendaires. Parce qu'ils se chopent par trois, ceux-là. Articonin, Élector Sulfura. En tout cas, on aura chopé toute la première génération. Si ça se passe comme ça. Allez, sur ce, à dans 4 jours pour la suite de tout ça.